Eh bien, salut à tous et à toutes, nous sommes Bushcraft Gardois, aujourd'hui une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler du couteau et aussi de la fabrication. J'ai fait cette vidéo depuis un bon moment, j'avais fait plusieurs montages, plusieurs trucs, et c'est vrai que j'ai eu beaucoup de problèmes à propos de ce projet et au montage aussi. Donc, je vais pas en plus en détailler que ça, on va partir directement pour la suite de la vidéo. En premier, pour faire ce couteau, j'ai choisi un bois que j'ai eu de la part d'un menuisier. Je ne me rappelle plus vraiment du nom, je suis confondu, j'ai plusieurs noms de bois. Donc je ne suis pas certain du nom de bois, donc du coup on ne va pas en détailler plus que ça. Donc j'ai pris mon couteau et j'ai fait le traçage, donc du coup je vais vous passer un extrait juste après, une fois que j'aurai fini cette séquence de parler, voilà. J'ai tracé, j'ai bien fait gaffe à être bien précis au maximum, donc je vais vous passer ça en vidéo tout de suite. Bien mettre le couteau à fleur du bois, donc vous pensez que vous aurez déjà deux bouts de bois à faire, donc pensez à prendre déjà une planche assez grande. Si vous commencez à faire des couteaux, commencez à faire des manches en sapin ou en bois de récupération, n'importe votre palette, n'importe. Et merde, voilà, donc là, erreur à faire, surtout pas bouger. Voilà, parce que là, pour récupérer cette galère, voilà. Donc là, vous aurez pensé que j'aurais une petite différence. Donc ça, ça va rectifier quand je vais faire la découpe. Donc pensez bien à bien passer plusieurs coups de crayon à ce que ce soit bien fait. Voilà, là j'ai la forme. Voilà. Donc maintenant, on va les mettre les trous. Les trous, je sais pas si je vais les faire tout de suite. Enfin, pas tout de suite, mais si je vais les faire. Sur mes trous, je sais que je vais les faire un peu plus petits. Je vais les faire du même diamètre que la petite pièce qui est ici, celle qui sert. Donc voilà, la deuxième on va la faire juste à côté. Sinon, ça le problème, je vais mettre juste ici. Sinon, pourquoi je ferais pas ça? Ouais, je vais faire ça, ça va faire moins de chute possible, ce serait beaucoup mieux comme ça. Tac. Donc là, ça fleure de partout. Toujours à fleur. Hein. Toujours à fleur. Donc là, j'ai juste à tracer un trait avec. Hop là. Après avoir tracé, on va passer au découpage. C'était un moment d'hésitation parce que je ne savais pas comment m'y prendre pour découper. Soit j'y allais à la scie aiguine ou si j'y allais à la scie à métaux. Donc, du coup, je suis allé à la scie à métaux. Donc, vous irez voir directement l'accéléré que je vais vous mettre juste tout de suite. Comme ça, vous pourrez voir comment j'ai fait à peu près. Et pour ne pas abîmer votre bois, il faut bien mettre du carton. Moi, j'ai mis du carton assez épais et bien serré. Comme ça, ça tient bien et votre bois a pas de chance d'être abîmé avec l'étau. Au niveau de la fixation, j'ai récupéré des colliers de. Pas des colliers, mais comment ça s'appelle ça? Je remets le micro en place. J'ai récupéré des vis pour maintenir, ça s'appelle les poignées de porte. C'est des grandes vis comme ça à peu près. Où ça sert en fait, il y a juste à. Il y a, y, a, y, a, y, a, y a un.
une vis à écrou en fait, voilà. Mais c'est pas un écrou qui sert, c'est une espèce de, je sais pas comment expliquer ça, c'est un petit tube fileté à l'intérieur. Donc du coup, en fait, vous allez visser, et du coup, ça n'ira pas d'écrou, ce sera juste deux têtes de vis que vous allez voir une fois que le montage sera fini. Donc je vais vous passer ça en vidéo maintenant, comme ça vous pourrez comprendre un peu plus. Voilà, que ce soit à fleur du trou, au fond du trou, que ce soit à fleur. Donc là, j'ai réussi, je suis content. Et là, vous aurez plus qu'à essayer de visser cela à l'intérieur, à la profondeur qu'il faut. Donc, vous enlevez à peu près. Allez, parce qu'il faut aussi, il faut que ça se visse. On enlève. Un bon 2 cm. Vous enlevez à peu près 2 cm sur ça pour que ça puisse. Parce qu'en fait, regardez. Oh, tac, tac. Ça va venir, ça va rentrer dans le bois et il faut que ça vienne au niveau. Tac. Faut que ça vienne à ce niveau-là, au niveau de mon pouce. Pour que ça serve, faut que vous pouviez visser au maximum. Voilà, là, ça dépasse un tout petit peu, c'est pas grave, on va resserrer celui-là déjà. Hop là, c'est vrai, celui-là il n'a pas. Ça va être un peu compliqué à faire parce qu'en fait en dessous il n'y a pas de fente pour mettre le tronc de vis. Donc il dépasse un peu. Bon, c'est pas trop dérangeant, je pense que ça va le faire franchement. Je suis content de mon travail que je viens de faire. Niveau de la finition, je suis allé, on s'appelle vraiment délicatement, pour que ça soit le plus propre possible. J'ai pris de la lime, une lime à bois, une râpe à bois, bien grosse, pour enlever le maximum. Et après, j'y suis allé, on s'appelle au papier ponce, j'essaie de faire plus vite, enfin pas plus vite, mais essayer de passer le maximum de tours et rester très longtemps pour avoir une finition à peu près nickel. Donc, je ne suis pas un expert, c'est sûr, mais pour moi, ça fait. Pour moi, j'ai fait du très bon boulot. Je suis vraiment fier de moi. Donc, je passe tout ça en accéléré, peut-être un moment ou normal, je sais pas. Parce que voilà, la vidéo est un peu farfelue, donc je suis obligé de la refaire plusieurs fois. Donc, je vous passe ça tout de suite, et comme ça, vous pourrez voir la finition du couteau. Donc voilà le couteau fini. Donc maintenant je vais vous présenter, enfin je vais pas vous présenter, je vais vous montrer à quoi il ressemble maintenant. Voilà un manche
très très beau, très solide. Il fait vraiment très très beau. Vous pouvez voir que les finitions sont quand même pas mal, pas mal. Moi j'aime bien, franchement. Je trouve ça vraiment très propre. Très peu de défauts. Maintenant, il y a juste la lame à changer. Enfin, pas changer, mais à essayer de retravailler ou pas, je verrai ça. Donc voilà, le projet couteau est terminé. On va pouvoir enfin travailler tranquillement à la cabane avec un couteau propre, fini. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, je vous dis à la prochaine. Allez, à plus.